Salut à tous, bienvenue pour un nouveau vlog assez spécial parce que comme vous pouvez le voir, on est dans une forêt et là vous vous demandez mais qu'est-ce que vous foutez dans une forêt? Ben, on avait envie avec mes potes d'aller faire du camping tout simplement. Donc là il y a hop, Maxime, salut. Juliette, Lucie et derrière Thibaut. Donc voilà, on avait envie de se couper des réseaux sociaux, d'internet, de se recentrer sur le moment présent. Donc là, on va essayer de trouver un bel endroit pour installer le camping et pour monter les tentes. Et on se retrouve juste après. Allez, à tout à l'heure. Ah, mais c'est pas mal ici. On peut se caler là, là. Bon, chacun s'occupe de quelque chose. Maxime, Lucie et moi, on reste pour les tentes. Thibaut et Alexis, vous vous occupez du feu pour ce soir, ok? Oh Thibaut, tu peux y aller s'il te plaît, faut que je reste filmé là. Mec, t'es sérieux? Tu sais que j'aime pas rester tout seul. Mais de quoi t'as peur? Il fait même pas nuit. C'est bon mec, elle a raison. Tu vas juste chercher du bois. Tout va bien se passer. Ok, je vais le faire. Re les gens. Bon, ça y est, on a enfin monté le campement. Pff, ça a été laborieux, hein. En même temps, entre nous, je suis pas avec des lumières. Hein. Regardez. Viens, toi aussi. Regardez cette bande de guignols. Non, mais viens nous aider aussi. Non, ça va, je préfère vous regarder. Bah, voyons. Ça va, c'est pas trop dur de mettre les sardines? Ouais, je comprends, c'est un peu dur pour vous. Ouais, ouais. Enfin voilà, du coup, le cadre est plutôt sympa. Donc, on va dormir ici et puis on repartira demain. Ça vous va, les amis? Et Alexis, Ah, je souffre. Vous avez que ça à faire, sérieux. Bah, une vraie bande de gamins. Hein. La garderie, j'en peux plus. Ok, finalement, elle est plutôt tranquille, cette forêt. Les gars? Allez les gens, on pose pour la photo. Allez, on fait les mannequins. Cheese. Attention! Thibaut! Lucie! Je viens te chercher, bouge pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'expliquerai après. D'abord, faut retrouver les autres, ok? Suis-moi. Ça va? Assieds-toi. Écoute-moi. On sait pas ce que c'était, mais quelque chose a enlevé Alexis. Comment ça a enlevé? Vous avez pas essayé de l'arrêter? Impossible. Cette chose était trop rapide et on sait même pas à quoi elle ressemble. On espère qu'il est encore en vie, mais il y a peu de chances que ce soit le cas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il faut qu'on commence par en informer les gens. Il faut qu'on garde une trace de ce qui s'est passé pour quand on devrait témoigner. Je sais pas si vous verrez ça un jour, mais Alexis s'est fait enlever par quelque chose d'indescriptible. Maintenant, on va rester là. On va l'attendre. Des fois qu'il revienne, peut-être. Et on partira demain, ensemble. Je vais partir à sa recherche. S'il y a ne serait-ce qu'une seule chance qu'il soit vivant, je veux compter là-dessus. Vous restez ici avec les autres, ok? Je reviens vite, promis. Les gars? Maxime! Thank you.
Thibaut, écoute-moi. Tout va bien se passer. Non, tout va pas bien se passer. Alex et Lucie sont morts. Maxime probablement, on n'a rien pu faire pour empêcher ça. Écoute, je sais que c'est difficile, mais on peut s'en sortir. On doit sortir de cette forêt maudite. Mais avant, laisse-moi juste témoigner de ce qui vient de se passer. Lucie a disparu, elle aussi. Je sais pas si la police verra ce témoignage un jour, mais j'espère qu'elle agira en conséquence. Pour le moment, on est en pleine forêt avec Thibaut et on va essayer de sortir de cet enfer. Comment on va expliquer ça? J'en sais rien. Moi non plus, j'ai pas envie d'y croire. J'ai envie que tout rentre dans l'ordre, mais on doit rester ensemble, survivre. Si jamais t'es la seule à rentrer. N'y pense même pas. Je sais que c'est difficile de croire qu'on ne doit pas se laisser abattre, mais on doit partir d'ici. J'imagine que t'as raison. La peur prend le dessus sur la pensée. Pourquoi t'es toute seule? Je suis désolé, j'ai pas réussi à retrouver Alexis.